D'accord. Maman. Oui, très bien. Écoutez, bah, à jeudi. Au revoir. Au revoir, merci. C'était l'architecte, on a rendez-vous jeudi. C'est moi et Simon pour l'emprunt. Bonjour mon amour, je vais bien, merci. Et toi? Tu avais une question peut-être? Salut, pas. L'emprunt, Michel, on en est où là? Oui, écoute, Babette, je pense que pour l'emprunt, il faut qu'on réfléchisse encore un petit peu. Quoi? Non, non, mais c'est tout réfléchi, on va perdre le terrain, Michel. Tu le vois s'éloigner, le terrain? Techniquement, il y a quand même peu de chances qu'il s'éloigne, non? Sinon, ça va, vous? Écoute, Babette, faut qu'on en reparle. Ça fait 15 ans qu'on en parle, j'en peux plus, Michel. Est-ce que pour une fois, tu pourrais pas t'engager dans un projet ambitieux? Alors, sinon, je suis enceinte. J'ai rencontré le père dans un centre de désintoxication et on a décidé de se marier quand il sortira de prison. Babette, si tu veux bien, pour une fois, essayons de ne pas nous disputer devant Eve. Alléluia! J'existe! Hello! Fabrice! La super ambiance, hein? Ça va, fils? Tu te sens prêt? C'est le jour des examens qu'il fallait être prêt. Tiens, on va pas de lapin. Comme ça va, Babette, il a travaillé toute l'année avec Juliette. Hein. Tiens, mange un petit peu de trèfle quand même, ça me rassure. Oh, c'est bon, mince. De toute façon, il l'a donné à tout le monde, le bac. Il suffit de savoir écrire son prénom. Vas-y, appelle. Ah ouais? Bah heureusement qu'il suffit pas de montrer sa gueule, parce que sinon tu l'aurais jamais. En tout cas, quel que soit le résultat, fils, n'oublie pas que l'important, c'est de regarder vers... vers l'ouest. Parce que c'est là que se trouve New York City of the United States of America. Parce qu'oubliez pas, les vieux, votre promesse. Si j'ai mon bac... Nous t'offrons un mois de vacances aux États-Unis pour honorer ton éclatante réussite. Exactly! Putain, United States, quoi, le pays de toutes les opposites. Every opposite sport. Bref, fais chauffer ta carte bleue, pas parce que je peux vous jurer que la prochaine fois que vous allez me voir, c'est avec un bac en poche. Ouais, sinon c'est stage à la banque tout l'été en guise de punition. Remember? Je n'envisage même pas cette option. En attendant, faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec my destiny child. Allez, ciao! Souhaitez-moi good fuck! C'est quoi, combien l'anglais? Ok, les mecs. L'histoire est en marche. À nous, les petites américaines. Moi, je prends les grandes. Très bien. J'ai même pas eu le rattrapage. Et d'accord, donc les mecs m'ont carrément oublié sur leur tableau. Quoi. Tu regardes la S. Oui. Comme Slimane, il est con. T'es là. Alors, je suis quoi? Recalé. Pouh! Comme toi, mec. Putain, les gars, c'est mort, on partira jamais aux States. Même mot. Ah non, il faut deviner. Oui, je l'ai. Pouh! Non, je déconne, je l'ai pas. Tu as cru? Ouais, le prend bien, je crois. Ma mère va me bannir. J'ai peut-être une chance de lui échapper si je m'engage dans la Légion, mais je... Maman! Vous êtes mis d'accord sur quelle mention, jeune homme? Très bien. Très bien, je ne vous fais pas dire. Bien, bien, vous pensez que c'est bien? Eh bien, bien, c'est pas bien. C'est rien, c'est moins que rien. Bien, vous connaissez la sanction? Adam, Slimane, depuis que je vous connais, vous me tirez vers le bas et... Votre influence nauséabonde est néfaste à mon développement personnel. Ainsi, ai-je décidé de ne plus vous fréquenter à partir de... Tout de suite!
Bon, allez, salutations distinguées et zou. Allez, hop. Vous n'avez pas le droit, Ludo. Approchez plus de mon fils. Ok. Des grosses poitrines. Deux. Alors, c'est le bide? Bah oui, évidemment. Hein. Ceci dit, je vais vous dire un truc de fou. Moi non plus, j'ai pas mon bac. Ça paraît dingue, hein. Comme quoi, on peut s'en sortir très bien. Hein? Et là, je réalise que je vais devoir me taper vers une record pendant un an. Même pas, Fontella. Je prends ma retraite. Avec quelques années d'avance. T'inquiète pas, bon, moi, je serai là l'an prochain. Vous êtes viré. Quoi? Comme ça, sans motif, mais vous avez pas le droit, c'est dégueulasse. Ça fait 2 ans que vous piquez de l'argent dans la caisse des parents d'élèves. C'est pas faux. Du coup, on fait comment pour mon pot de départ là? On fait pas. Et vous? Je tenais à vous saluer personnellement. Merci, madame Vernon. Les deux ratés les plus accomplis que j'ai pu croiser dans ma carrière. Baba, le loser. Salut, mec. Quelle femme. Ouais. Bon, on va bouffer? Non. Non. Évidemment, évidemment que non. Tristan, on va manger ensemble. Bon, bah c'est toujours pas en ligne. Hein. S'il nous a pas appelé, c'est que c'est foutu. Oui, ou alors il fait déjà ça avec ses potes. Ou il a paumé son portable. Ou... Ça te laisse le temps de m'expliquer pourquoi t'as pas encore demandé l'emprunt à Simon. Entre banquiers, ça devrait pas être compliqué quand même. On va pas revenir là-dessus, Babette. Faut savoir dans quoi on s'engage. Tu sais que selon la directive CARPP 2013, la courbe des taux... Monsieur, pas de m'embrouiller avec ton jargon d'escroc. Là, toi-même, t'y piges rien. Ça fait des années qu'on cherche à construire. Là, on a tout. On a le bon terrain, l'architecte béton, l'alignement de Jupiter et Mercure. Oui, 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 on a tout, sauf le pognon sur le compte, Babette. D'où l'emprunt. J'en peux plus, Michel. Là, on prend racine, on décrépit. Et toi, tu fais rien pour que ça change. Faut que ça change, hein. Babette, un emprunt, ça se rembourse. Eh ben, prends un poste de formateur, je m'en fous, mais fais ce qu'il faut pour une fois. Ah oui, comme si je trimais pas assez pour toute la famille, moi. Toi aussi, tu pourrais bosser, là, au lieu de t'amuser à coller des pierres chaudes sur des vieilles. Je sais pas, moi, tu pourrais trouver un petit boulot, tiens, de cuistot, par exemple, hein, dans un restaurant de pierrade. Tu veux vraiment parler d'ambition? 10 ans que tu végètes au même poste, 10 ans dans le même bureau, à servir les mêmes clients, à faire le même truc là que tu fais. Oui, à placer les besoins en assurance auprès des... Placer les gna gna gna. Mais faut vraiment que tu ramènes tout à toi, hein. Moi, moi, moi. Mais pour une fois, c'est pas toi le centre du monde. Le centre du monde. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je vais appeler l'autre là, déjà. Putain, les gars, on ira jamais aux States, quoi. On est comme ce banc, on bougera jamais. Excusez-moi les jeunes, mais je dois déboulonner le banc, là. Excellente vanne. Très, très drôle. Non, non, mais attendez, je plaisante pas, là. On va le remplacer par un conteneur à bouteilles, je suis désolé. Hein. Quoi? Vous pouvez pas faire ça, vous rigolez, ce banc, c'est toute notre vie. C'est notre ami, c'est notre pote, c'est là qu'on a tout vécu. En plus, vous voulez le remplacer par une poubelle? Et lui, il va aller où? À la décharge. Ok, les gars. On a déjà surmonté des épreuves plus difficiles que ça, ok? Tant qu'on reste ensemble dans la galère, ça va aller. Je suis en école de commerce à la rentrée. Quoi? Bah bravo Ludovic! Bravo, bravo Ludovic! Bravo! Tu nous abandonnes lâchement, toi, mon ami d'enfance! Ludovic! On avait dit 2 minutes! J'arrive, maman! Adieu, les gars. J'ai passé une enfance merveilleuse avec vous. C'était fantastique. Étrange, mais fantastique. À toute, mec. Ludo! J'aime bien sa mère, elle a une grosse poitrine. Toi, au moins, Slim, tu bougeras jamais. Ouais. Enfin, un peu, quand même. Hein. Ma mère, elle m'envoie dans une pension privée. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'espère qu'il y aura des bonnes sœurs. On dirait des pingouins, mais avec des seins. Quoi? Bah, tu sais, des pingouins, tu vois, tu lui rajoutes des seins. Attends, Ludo, il part en école de commerce, et toi, tu pars en école de bonne sœur, et moi, je vais faire quoi? Bon, allez, c'est bien triste, votre histoire, là, mais on a un banc déboulonné, allez. Ok, bah, va falloir me déboulonner avec, je m'en fous, je bougerai pas. Ce banc, il est à nous. On va voir ce que vous allez faire, là. Alors... Vas-y, déboulonne, si t'es capable. Vas-y. Allez, tocard. Allez. Allez, 3. Ok, bien joué. Bien joué. Ok, Sim, je crois que cette fois-ci, c'est la fin. J'aime pas beaucoup les adieux, alors je préfère faire vite. Sim.
Tu as été le meilleur ami qu'un adolescent puisse rêver. Merci pour tous ces délires, merci pour toutes ces conneries. Je t'aime, mon pote. Je t'aimerai toujours. Quelle belle journée. Ah, ça y est, on a les résultats. On y croit, on y croit. André Fiorina, reçu. Alain Fontaine, reçu. Mmh. Aldo Fontega, reçu. Adam Fontella, recalé. Oh, c'est pas vrai. Et c'est reparti pour un an, voire deux, trois, dix. Ils finiront peut-être par lui filer son bac pour persévérance. Mais faut savoir se contenter de ce qu'on a, pas vrai, Michel? Et allez, on y revient. Je te rappelle que tout raté qu'il est ton mari, hein, il a tout lâché pour assurer le petit confort de madame. Ah oui, on peut savoir tout ce que t'as lâché? Mes rêves. Ma carrière d'artiste, par exemple. Ah, excuse-moi, je vois pas bien à quoi tu fais référence, là. Oh non, ne me dis pas que c'est quand t'étais. J'aurais pu être sommé, moi. Mais t'as renoncé tout seul, comme t'as renoncé à pousser ton fils pour qu'il ait son bac. Son échec soit si le tien, Michel. Bon, paps, mams. T'as pas ton bac, ouais, tu parles d'une nouvelle. Tu sais ce qui t'attend lundi. Allez hop, mon vieux, à la banque. Réflexion faite, on oublie le stage à la banque. Travailler au kebab sera certainement plus judicieux pour les perspectives d'évolution, n'est-ce pas, Michel? Tu sais quoi? C'est hors de question que je travaille plus pour t'acheter ton terrain, toi. Très bien, je m'en fous, de toute façon, je me débrouillerai toute seule. Bon, bah, il est bon, plutôt bien pris. Quelle journée de merde, hein. J'ai foiré mon bac, j'irai pas aux States, je vais plus jamais voir mes potes, mes parents ils arrêtent pas de s'engueuler à cause de moi. Je me sens vraiment comme une merde. Tu m'écoutes? Oui, pardon, tu disais t'es qu'une merde. Non, je disais, je me sens comme une merde. Le seul truc qui me remonte un petit peu le moral, c'est que du coup on va pouvoir passer plus de temps ensemble cet été. Enfin, sauf les heures où je serai en stage à la banque, bien sûr. À propos, comment me dire... Tu vois, je trouve qu'en ce moment... On s'éloigne, toi t'es au lycée, moi à la fac. Ouais, bah si tu veux, l'année prochaine, je peux changer de lycée pour aller dans un lycée qui est plus proche de ta fac. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mathis m'a proposé, je t'ai parlé de Mathis. Le gars de ton TD, beau, sympa, intelligent, drôle. Non, je crois pas que tu m'en aies parlé. Et bah, il m'a invité à passer l'été sur son yacht. Et j'ai dit oui. Trop cool! Mais attends, moi je kiffe trop les yachts en plus! Non, mais t'as pas compris en fait. Il m'a invité moi seul à passer l'été sur la Méditerranée, sur son yacht, avec lui seul, parce qu'il m'aime bien. Et j'ai dit oui, parce que moi aussi, je l'aime bien. Bah, tu m'étonnes, tu l'aimes bien. Moi aussi, si j'avais un pote qui avait un yacht, je l'aimerais trop bien, quoi, c'est sûr. Non, mais on s'aime bien tous les deux, et on va aller plus loin, ensemble. Ah ouais, genre... en Afrique, ou en Chine. Genre une croisière autour du monde. Bon, attends, c'est fini. Quoi, déjà? Tu t'en vas, mais tu viens d'arriver, tu veux pas rester un peu? Entre nous, attends, c'est fini. C'est terminé. Over. Finito. J'ai rencontré un bel homme, intelligent, sympa, avec un bel avenir. Et je te quitte pour lui. Sois heureux. Ouais. Ah, moi aussi, j'ai un bel avenir, hein. Pas tout de suite, forcément, mais bientôt, quoi. Dans l'avenir. Ouais, ça, mais ton avenir, il est en face, là, on libertise. Depuis tout à l'heure, je te regarde faire des jolis cadres. Beaufin. Allez, maintenant, lève-toi, va nettoyer les shots. Elles sont dégueulasses, quelqu'un les a salis ce matin. Et c'est moi. Abruti. C'est ton costume pour la banque, c'est un de ton père. Je ferai des retouches demain. Mail à mon fils. Tu as bien raison de réviser ton bac, fiston. Sinon, un jour, tu pourrais finir par faire un stage à la banque. Salut, fiston, ça va? Ouais, je révise, paps. Envoie-moi un mail. Je ne dis pas que je suis malheureux, non. Il y a juste des jours où j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Vous avez reçu un mail de paps. Mail supprimé. Mail supprimé. Tu veux
veux savoir si t'es un loser? Alors envoie loser au 36 08 07 04 0. Participe à notre grand concours Speedburger et gagne ton rêve américain. Dans 4 boîtes de Speedburger à travers l'Europe se cachent 4 Golden Dollars. Si tu trouves ce Golden Dollar, tu auras la chance avec 2 personnes de ton choix de participer à notre grande émission Qui sera le meilleur américain? L'équipe gagnante repartira avec 3 billets pour New York, 3 visas de travail valables 1 an et un logement. Avec Speedburger, gagne ton ticket pour le rêve américain. Je vais dormir là. Ouais. Si tu peux te pousser un peu. Voir carrément. Vas-y, pousse. Paps, Paps. J'ai trouvé la solution, c'est bon. Je vais prouver à tout le monde que je suis pas un loser. Tu verras, tu seras. Fier de moi. Bienvenue dans l'opération Restore Hope. Donc le H. Ouais. Restore Hope. Si je vous ai réunis aujourd'hui dans la clandestinité la plus totale, c'est pour accomplir notre dernier rêve, notre aventure ultime. Tu veux même de 3 mètres? Non, Slim, les States. Donc le plan est simple. On achète un maximum de burgers, on trouve le Golden Dollars, on va gagner le jeu télé en Belgique et bim, on part aux States. Dans un premier temps, on va faire un pot commun avec toutes nos économies. Ça, c'est un billet de Monopoly, Slim. Exact. Et un petit hôtel. Ok, on passe directement au plan B. Heureusement, j'avais tout prévu. 13h40, on file au supermarché du coin. On y rentre l'un après l'autre, comme si on se connaissait pas. J'ai observé le supermarché d'à côté. On est obligé. Pourquoi? C'est là où ma mère fait ses courses, et comme j'ai plus trop le droit de vous fréquenter, et qu'en plus je sèche mon cours de poterie pour être ici. Le gars, sa mère, elle fait des courses, quoi. Ok, t'inquiète, Ludo, on va trouver une solution. Donc, je disais, j'ai observé que le vigile prend sa pause toutes les 2 heures, pendant 10 minutes, derrière le magasin. C'est à ce moment-là qu'on intervient. Ça, c'est le vigile du mardi, mercredi, jeudi. En fait, le week-end, c'est un autre gars, genre un peu tordu, tu vois, qui prend pas de pause. Et je vous conseille okay, pas vous, de... Qu'est-ce que vous foutez là, Patrick? Mais je vais me prendre un kebab, comme d'hab. Bah ouais, mais on fait pas crédit, comme d'hab. Allez, hop, ça dégage. Donc, je disais quoi? Oui, le vigile. On a donc 10 minutes pour agir. Ludo, tu te placeras en retrait pour faire le guet. Si tu vois le gardien arriver, tu me préviens en faisant le cri de la chouette. Pendant ce temps, je chargerai des burgers. Et toi, Slimane, tu seras vers les caisses et tu feras diversion pour attirer le vigile. Ah! Ah mon Dieu! Ah! Ah, c'est la fin des abricots! Ah! Une ambulance, hein, vite! C'est mort! Croyez à la poterie? Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ridicule? Maman, quelle bonne surprise! Écartez-vous, écartez-vous! Je suis en train de faire une crise cardiaque, je crois. Je vais prendre un défibrillateur, je vous préviens, ça pique un peu. Quoi? Un défibrillateur, ça pique un peu. Attention. Ah! Oh! Respirez, calmez-vous. J'aurais dû vous prévenir, mais le cours a été annulé pour cause de. Le cours a été annulé pour cause de ouh, ça ne veut rien dire, ça lui devient. Non, je m'éclaircissais la gorge. Ouhou! Oh, et puis ça, c'est d'imiter la chouette d'Islande, c'est agaçant à la fin. Ah ben, c'est le moyen duc d'Europe centrale. Ne dites pas de sottises, Ludovic. Ouhou, ouhou, ça c'est le moyen duc, mais ouhou, ça n'y ressemble ni de près ni de loin. À la hulotte, à la limite, mais la hulotte c'est plutôt. Ouhou. Ok, plan, c'est courant! Et ensuite, on fonce à notre père pour l'inspection du butin. Facile, easy. On se casse, on se casse! C'est un miracle! Là, on se répartit les tâches. Ludo, tu notes les références de la boîte, le numéro de série, etc. Moi, je vérifie dans les boîtes s'il n'y a pas de dollars gagnants. Et Slim, tu... Bah... C'est cru, Slim. Pas mal. Oh, ça, c'est magnifique. Ça, c'est baroque, ça. Non, c'est antique. Antique, vous voyez, toute la maison est supportée par des colonnes romaines. Ah bah oui. Vous êtes d'emballe, vous voulez quelque chose de simple. Et alors, là, la yourte que j'ai créée pour Frédéric Lopez, porte de la muette.
avec recyclage des urines. Enfin, c'est très... Bonjour. Ne faites pas attention à lui. Qui est ? Mon mari. Bon, alors, ses plans. Alors, finalement, on fait plus de maison, on passe directement au château, donc. J'avoue aimer voir grand. Mon mari, lui, va tout en petit. Vous pouvez dire à ma femme que ma vision s'est rétrécie le jour où je l'ai rencontrée ? Vous pouvez lui répondre que le reste a suivi avec l'âge. Et si on rajoutait un niveau ? Vous voyez, ça ferait un étage pour madame et un étage pour monsieur, ou l'inverse. Vous pouvez bien mettre deux, trois étages entre les deux. De toute manière, il n'y aura pas de maison, on n'en a pas les moyens. Ma femme délire. Tu vas trop loin, là, Michel. Excusez-moi, mais vous êtes sûr que c'est d'un architecte dont vous avez besoin ? Écoutez, non, je vous dis ça parce que ma femme est thérapeute. Enfin, mon ex-femme. Tu changeras jamais. Mais moi, je veux que ça change. Elle me disait ça aussi. J'en peux plus, Michel. Tu comprends ? Eh ben, on est deux. Trois. Ça fait 20 ans que tu te fous de ce que je veux, de ce que je dis, de ce que je pense. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu proposes ? Je ne sais pas. Au lieu de dormir sur le canapé, je peux peut-être aller à l'hôtel ou chez Didier. On a fait un break. Tout pareil. Ça va faire bientôt 8 ans. Et c'est... Oh. Pardon. Oui, alors là, c'est alerte chantier. Excusez-moi, mais là, je décolle. Voilà, je vous laisse. Monsieur, dame. Voilà, c'était vraiment un... C'était déprimant. Pardon. Ok les gars, plan N, on s'introduit dans l'usine de burgers et on trouve le Golden Dollars. Dollars, go. Hey, il arrive. Bon, ça marche pas là. On passe au plan Z, direct. Non, c'est... le plan Z, c'est qu'on n'ira jamais aux States. Que mes parents, ils vont divorcer et que je vais finir toute ma vie à travailler dans un kebab. Et que je vous verrai plus jamais. Et que je vais devenir kebabier. Ou pire, banquier. Du coup, une idée comme ça, tu pourrais peut-être me faire un kebab avant de devenir banquier. Non, parce qu'en fait, on fait toujours pas crédit avant de devenir banquier. Je me doutais que t'allais dire ça. Et paf ! $1. Ça vous la coupe, ça, hein ? $1, ça fait quoi ? Ça fait 10 nouveaux francs, au moins, non ? Putain, mais vous avez trouvé ça où, Patrick ? Dans une poubelle avec un reste de burger. Putain, mais on l'a cherché partout, ce billet. Slim, ta gueule. C'est un billet caché dans un burger, en fait, et si tu le trouves, tu peux participer à un jeu télé, quoi. Ta gueule. Et si tu gagnes le jeu, eh ben, tu gagnes un an de voyage aux States. Slim, qu'est-ce que tu comprends pas dans ta gueule ? Attendez, vous êtes en train de me dire que ce billet vaut une fortune, là ? Mais ouais, mec ! Ah, ben là, ça change tout. Ok, je veux un double kebab. Ok. Non, j'ai changé d'avis. Un triple kebab. Ok. Non, j'ai changé d'avis. Un triple kebab avec supplément sauce blanche. Ok, marché conclu. Wouh ! Très belle négo. Bam ! J'avoue. Sauce blanche à fond, hein ! Et voilà ! Bim ! T'occuper clientèle abrutie, va. Ouais, mon pote, parce qu'aujourd'hui est le jour où je m'élève contre la tyrannie. Aujourd'hui est le jour de mon indépendance. T'as dit quoi, là ? Je démissionne. I demi-choose. Je demi-more. I demi-more. Ah non, on n'a pas encore gagné le jeu télé, en fait. T'inquiète pas, Ludo, avec toi, on n'a aucune chance de perdre. Mais je peux pas, maman voudra jamais que je participe. T'inquiète, je t'ai dit, on va arranger ça. Fais-moi confiance. Au secours, merci pour toutes ces années. Grâce à vous, j'ai grandi, j'ai mûri. J'ai aguerri, mais aujourd'hui, c'est à vous de nettoyer le pipi. Hasta la muchos. Andami, levez ici tout de suite. Tu peux m'expliquer ? Ouais, c'est parce qu'on a gagné un concours, on va aller habiter à New York, en Belgique, à la télé. Et je te largue. Slimane, ma mère, reviens ici tout de suite. Merci, mes intestins n'oublieront jamais votre viande avariée. Slimane ! Slimane !
Paps, Mams, faut que je vous parle. Votre père et moi aussi voudrions vous parler. J'ai démissionné du Liberty's. Quoi? Ouais, j'ai démissionné du Liberty's, ouais. Parce que j'ai trouvé le Golden Dollars. Vous savez ce que c'est le Golden Dollars? C'est un dollar, on le trouve dans les boîtes de burgers et tu gagnes le droit d'aller participer avec Slim et Ludo au jeu Qui sera le meilleur américain? Et si on gagne ce jeu, on peut gagner un an tout frais payé aux States. Et c'est qui les meilleurs américains d'Europe? Bim! C'est nous! Du coup, on va partir aux States! Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi encore cette histoire de jeu télé? Je te rappelle que lundi, tu commences ton stage à la banque, mon vieux. Mams, la finale du jeu se passe ce week-end à Bruxelles. J'y vais, je donne le tout pour le tout, et puis si on échoue, ben, je serai lundi à la banque comme prévu. Non! Et puis je vais pas te le dire deux fois. Non, non, non et non. Ça fait cinq. Eve, tu peux dire à ton père que je me fous de ses commentaires? C'est comme ça depuis tout à l'heure. Eve, tu peux dire à ta mère que moi, je me fous pas des rêves d'Adam. Contrairement aux miens. Tu sais quoi? Je vais accompagner Adam à Bruxelles et je vais le coacher pour son émission. Yes! Enfin, no man, non, enfin si, pas pour le coaching, hein. Je voudrais pas te réfréner sur la partie coaching, mais quand même, parce qu'on a déjà un coach en fait, c'est Ludo. Ah bah j'ai aussi, un coach ça a toujours besoin d'une assistante. Très bonne vanne, jamais tu viendras, tu dégages. Ah bah je suis d'accord avec maman alors. Tu veux vraiment que ton fils aille s'humilier à la télé ou tu fais ça pour me contredire? Tu veux vraiment qu'il grandisse plein de regrets? Au contraire, je fais ça pour qu'il apprenne que c'est important d'aller au bout de ses rêves. Je vais aller en Belgique, je vais gagner ce concours et je remporterai mon billet pour les États-Unis. Ah non, ça c'est moi, Paps. Oui, c'est lui. Hey. Écoute-moi bien, si tu pars en Belgique, le break pourrait devenir définitif. Et du coup, vous vouliez nous dire quoi avec Mams? T'es vif, toi. Tu vas te déchirer à la télé. Cool. Tchut-tchut! C'est un TGV, Slim. Ça fait pas tchut-tchut! Contrôle des billets, s'il vous plaît. Savez-vous me présenter vos titres de transport, s'il vous plaît? Bah ouais, je sais, j'ai l'air d'un débile ou quoi? Excusez-le, monsieur, il est spécial. S'il vous plaît, vos billets, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vos billets, s'il vous plaît. Faudra d'abord m'attraper. Tiens, Slim, arrête de décoller, Slim! Jeune homme, retirez votre main de la manette d'arrêt d'urgence, là! Il n'a pas dit. S'il vous plaît. Non, Slim! La grande place de Bruxelles. Alors là, vous avez la maison du Bourgmeister, un peu la mairie en fait. Oh, c'est magnifique. Il fait froid, non? Ouais, c'est à cause du décalage horaire. Non, les horaires ici, c'est comme en France, y a pas de décalage. Hein? Oui. Oh putain, c'est pas Stromae là-bas? Non, ça c'est un clochard qui se baigne dans du vomi. Exact. Bon, les enfants, on fait une photo? Ouais. Allez! Moi, je préférerais pas ma mère croire que je suis à mon stage d'équitation. Allez, allez, allez. Souriez! C'est la première fois en 20 ans de mariage qu'on se sépare. Ça se fête. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bah si, en fait. Il me reproche d'avoir gâché ses rêves. Comme si j'étais égoïste. Mais c'est lui qui a choisi de ne pas réaliser son rêve de devenir chanteur. Michel, chanteur? J'aurais plutôt dit charcutier. Ah oui, il faisait un duo avec un autre tocard de la fac, là. Comment ils s'appelaient leur groupe, déjà? Les gênants. Les intrigants. C'est en 1995, j'étais enceinte d'Adam et Michel et Jackie, son copain de l'époque, s'apprêtaient à faire leur première date. Alors Mitch, notre premier grand concert, toi et moi, t'es prêt? Oh, le rêve de notre vie. Première partie d'Eros Ramazzotti, un contrat à la clé. Yeah! Michel! Je veux te souhaiter bonne chance, chérie. Oh là! Mais tu vas accoucher, Babette? Mais il faut qu'on aille à l'hôpital. Mais ça va pas, c'est mon premier concert. Si on arrête maintenant, tout est foutu. Tu vas pas me faire ça, écoute Michel, wow! Il a raison, mon amour. Va! Vite ton rêve. T'inquiète pas pour moi, je vais prendre le bus. Vite ton rêve. T'es sûr? Mais oui, c'est sûr. Regarde, elle est en pleine forme. Tout va bien. Allez, ouais. Allez, ciao. Allez, on y va. S'ils sont pas en grève, le bus devrait pas tarder. Ça va aller. Allez, Mitch, go. T'étais prête à te sacrifier pour lui et il te reproche d'avoir brisé ses rêves? Mais il se rend pas compte de la chance qu'il a. C'est un nul. Un gros nul. Bon, c'est vrai qu'il est pas parfait, mais c'est un père exemplaire. Puis il est doux, attentionné. Le matin, parfois, quand je me réveille, je trouve assis à côté de moi qui me regarde dormir comme au premier jour. Et c'est encore au bout de 20 ans. Michel? Ah ben Malika, je vous cherchais. Comme vous étiez pas chez vous, je me suis dit que vous étiez ici. Vous savez quoi? Votre crevard de fils, il m'a largué.
Il croit qu'avec son jeu de télé débile, il peut se trouver une meuf plus classe que moi. Excuse-moi, Stéphanie, on peut savoir comment t'as eu les clés? Ah, mais j'avais fait un double du double de Slim, un après-midi où je l'avais attaché au radiateur avec des menottes. Enfin, bon, vous savez pas où il est, là, il faut que je le retrouve. Non, mais tu sais quoi, Stéphanie? Si Slimane t'a quitté, c'est sûrement qu'il a ses raisons. Slimane, c'est un homme raffiné, un homme qui a besoin d'espace, de liberté, de... De moi? Parfois, le matin, quand je me réveille, je le trouve encore assis à côté de moi, en train d'essayer mes soutiens-gorge, comme au premier jour. Et ça, encore au bout de 7 mois. Bon, et si on sortait entre filles, hein, pour se changer les idées? Girls' night, hein? Allez, on va fêter vos nouvelles vies de femmes libres. Ça, c'est une bonne idée. Par contre, toi, ma petite, il va falloir qu'on te customise. Mais pourquoi? Il est presque tout neuf, ce jog. Oh, vous savez quoi? Vous y allez sans moi. J'ai pas très envie de sortir, moi. Mais profite! Une fois qu'ils se seront fait humilier devant des millions de téléspectateurs, ils reviendront la queue entre les jambes. Ouais. Et s'ils gagnaient? Enfin, je te rappelle qu'ils ont Ludo avec eux, hein. Ouais. Enfin, il y a aussi Slim. Ouais. Ton heure a sonné, petite crotte de nez. C'est ce qu'on va voir! Ah! Mon Dieu! Bonjour. Nous sommes l'équipe française. Et vous, vous êtes? Michel Fontella, leur coach. Et nous avons une devise. Impossible n'est pas... Attendez ici, quelqu'un va venir. Je me disais, je pourrais être ton assistante personnelle. Comme ça, je répondrai au téléphone et tu seras sûre de pas tomber sur ta mère. Mais c'est une super idée. T'es génial, Eve. T'es quoi? T'es génial, Eve? Tu vas te calmer, toi, direct, hein? Et toi, t'arrêtes d'embêter Ludo et tu vas te jeter sous une voiture. T'es gentil, Chucky. Et toi, Ludo, tu te focuses sur un seul truc cet après-midi. Les States. Rien d'autre ne doit te déconcentrer. Oui, Juliette. Los amigos, quoi? Tu dois m'appeler de ta poche, allô, tu m'entends? Mais c'est qui Colasson là? T'es avec qui là? Ouais, moi aussi je rigolais. Bonjour à tous, Jérôme Anthony, animateur, présentateur, ambianceur, gendre idéal, enfin Jérôme Anthony quoi, je pense que vous m'avez tous reconnu, évidemment. Ça. Bonjour. Bonjour, vous êtes Adam Fontella. C'est ça. D'accord, qui est Ludovic Drancourt? Ouais. Enchanté. Et Slimane El Bougui? Ici. Tête. Enchanté. Je suis le coach. Ah ouais. Allez, suivez-moi pour la visite, c'est par là. Je viens d'avoir Juliette au téléphone. Et en fait, elle parlait avec un monsieur qui a des gros bras. Elle l'appelait Nicolasson. Tu sais ce que ça veut dire? Jambon. Ça veut dire jambon. Elle devait avoir faim. Ah, j'allais oublier. Deux règles d'or en télévision. Premièrement, on ne regarde jamais la caméra. Deuxièmement, on ne coupe jamais la parole au présentateur. Hein. Ça, ok, c'est on ne coupe pas la parole aux caméras et on ne regarde pas le présentateur. Facile. Bon, alors, ici... C'est votre loge. Vous avez de quoi manger, de quoi boire, de quoi vous asseoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous demandez. Des filles? Non. Si on vous apportait des filles, ce serait de la prostitution. Exact. C'est cool les sandwichs. Hein. C'est cool, t'as vu, il y a des sandwichs au Corazon. Bon, allez, continuons. Ici, vous avez les loges de vos concurrents. Les Italiens. Vos concurrents allemands. Et les Belges. Alors, là-bas, vous avez le maquillage, la coiffure et un petit peu plus loin, le plateau. Alors, jetez un œil, hein, régalez-vous. Hein. Moi, c'est pas le tout, mais j'ai un blanchiment des dents dans 5 minutes. Putain, les gars, ça y est, on y est, quoi. C'est peut-être ici qu'on va gagner nos tickets pour aller au Staste. Ouais, c'est un truc de ouf, mon gars. Bonjour, je suis le producteur de cette émission. Jacques Van Den Plut. Excellent, vos sandwichs. Voici donc ceux qui vont représenter la France devant des millions de téléspectateurs. Alors. C'est nous. N'en parlez pas, ça me donne la nausée. Je suis désolé, non, c'est parce qu'il y avait des sandwichs. Et... Jackie? Michel? Jackie? Et voilà, Mitch. Votre première tournée. Le rêve de notre vie. Première partie d'Eros Ramazzotti, ce soir on joue notre vie, Jackie. Yeah! Michel? C'est maintenant, là. Faut que tu m'emmènes à l'hôpital. Oh, Michel, tu peux pas faire ça. Si on annule, là, on perd le contrat, tu peux pas faire ça. Bah, mec, laisse-moi juste... Juste quoi? Pondre, là, maintenant, comme ça, sur le trottoir? Et mon rêve? C'est moi, ton rêve. Je suis désolé, vieux. Désolé, vieux. Désolé. Michel! Michel! Michel, alors ça, si je m'attendais, franchement... Oh, tu t'es vu, là, comme t'es beau, le costume et tout, non? Mais qu'est-ce que tu deviens, mon Jackie? Jacques, je préfère pour le business, c'est mieux, Jacques.
Écoute, ça remonte à loin tout ça. Hein. Ouais. Bah écoute, j'ai arrêté la musique et je suis retourné en Belgique, je me suis lancé dans la télévision et puis voilà, aujourd'hui je suis un producteur heureux et comblé. Bah, une frite presque parfaite, la Belgique a un incroyable talent, ou, qui sera le meilleur américain, bah c'est moi tout ça, tu vois. C'est incroyable, success story. Ouais, on peut dire ça, ouais. Bon et toi, j'imagine que tu chantes toujours un peu quand même. De quoi? Pardon, papa, t'as été chanteur. Ouais, une voix d'ange. Tu l'aurais vu se déhancher sur notre chorégraphie. Un vrai fuck. Oui, non, mais attends, tout ça, c'était bien avant... Bah, avant quoi? Avant ton frère. Bon, j'organise un cocktail de bienvenue pour les candidats ce soir au restaurant de l'hôtel, d'accord? Je vous y emmène, là. Ah, super. Tu sais dans quel hôtel on est? Oui, dans le mien, oui. Ah, on est dans le même hôtel? Génial. Non, non, on est dans mon hôtel, le mien, celui que j'ai acheté, en fait, tu vois. Allez, viens. Je t'expliquerai, bien. Ah, les gars, mon père, il est pote avec le producteur, c'est bon pour nous, ça. On dit merci qui? Merci, Jackie et Michel. Je viens de parler avec les Allemands et les Italiens, ça va être chaud les épreuves là. Tu sous-estimes pas Ludovic, et puis question culture générale, je suis imprenable. Canapé. Ah, merci, je suis bien debout, mais je veux bien un petit truc comme ça là. Merci. Excellent. Elle a pas répondu, c'est ça? Juliette? Non, je lui ai juste laissé un petit message pour la rassurer quoi. Oui, ça doit être le 7ème, c'est sûr qu'elle va pas s'inquiéter comme ça. Tiens, 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 les petits Français. Vous êtes qui vous, à part des mecs trop moches? Nous sommes ceux qui allons gagner ce concours et qui allons vous humilier. Ah non, ça vous fait confondre parce que ça, c'est nous, ça. Hein? Quoi? J'ai pas suivi, c'est qui? Bien, il est temps de révéler les grands gagnants de ce concours. C'est nous, l'équipe belge. Moi, c'est Adamo. Lui, c'est Slimae. Et elle, c'est Anouk. Bonjour. Ah ouais? Eh ben lui, c'est Ludovic. Mais tu peux l'appeler le passeport parce que grâce à lui, on va aller au States direct. T'as pas l'air très valide, votre passeport? Est-ce qu'il est au moins capable de citer le nom d'un président américain? Ludovic, je t'en supplie. Ludovic. Hein? Ouais, et lequel? Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, Jackson, Van Buren, Harrison, Taylor, Fillmore, Pierce, Buchanan, Lincoln, Johnson, Grant. Ne bougez pas, 7 millions, j'ai tout refait, tu vois. Bonjour, Jacques. Oui, salut, salut, salut. Jérôme. Jérôme. Ah, Jacques. Je te présente mon vieil ami, Michel. Bonjour. Probablement l'homme le plus talentueux de la soirée, tu vois. Juste après toi, Jacques. Je plaisante. Ah bon? Michel, mais je me souviens de vous. On s'est croisés au studio. Vous mangiez des sandwichs tout le temps. Vous êtes dans la restauration, vous? Non, 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 non. Moi, je suis dans rien de foufou non plus. Je suis juste un grand chanteur. Mais sois pas modeste, Michel. Un rossignol. Enfin, hey, un grossignol plutôt. Hein. Je plaisante. Ceci dit, blague à part, je prépare une émission sur les gens comme vous, un peu, enfin je veux dire qui s'assument. Ça va s'appeler Beau Tout Mou. Ça lui irait comme un gant, hein. Pensez-y, Michel. Non, c'est gentil, je suis pas très téloche en fait. M'excusez, je reviens. Pas très téloche, non, mais... Non, mais excuse-le. Bon, ça va, franchement, ça va. Ouais, je vois ce que c'est. Bon, ma fille, tu vas le lâcher un peu, ton portable. Regarde autour de toi. Ce soir, c'est buffet à volonté. J'ai pas vraiment la tête à ça, maman. Non, non plus, j'ai pas la tête à ça. Et puis c'est relou, là, cette jupe, elle arrête pas de remonter. Bientôt, elle va finir en col roulé. Bon, Babette, on est venu pour s'éclater, oui ou non? Tu veux que les choses changent? Alors lâche-toi. Tu crois que je pourrais encore plaire? J'ai l'âge d'être leur mère. Attends, mais évidemment, mais c'est ça qu'ils aiment les mecs aujourd'hui. Les mamans? Les MILF. Et les cougars. À l'attaque, les filles. Je t'offre un verre, Coco. Puis vous êtes encore bonasse, hein, Babette. Enfin, je veux dire, pour votre âge, ça va. Bonsoir. 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 Voilà, avec mon copain, on vous regarde depuis tout à l'heure. Et lui, il a pas trop osé venir. Faut pas être timide, je vais pas vous manger. Ouais. Non, je voulais vous demander... Je pourrais avoir un autographe? Vous êtes bien marié, Ange Nardi? Oui, c'est à quel nom? Et c'est après ces mots que le général Pettigrew décéda le 4 juillet 1863, sonnant ainsi la fin de la bataille de Gettysburg. Boum! Qui c'est qui va aller au steak? C'est nous! Ouais, c'est nous! Qui c'est qui va aller au steak? C'est nous! Maman? Ouais, c'est nous! Qui c'est qui va aller au steak? C'est nous!
Ludovic, enfin vous répondez. Je suis à l'hyper en train d'acheter des yogourts et je pensais à vous. Alors, comment se passe ce stage d'équitation? Bien, bien. Avez-vous monté Biscotte? Je sais que cette jument vous terrifiait. Non, 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 j'ai pas monté Biscotte. Oh, Ludovic, allez, courage! Ludovic? Ludovic? Vous m'entendez? Ludovic! Ludo! Ton assistante préférée t'a ramené ton jus de tomate, Ludovic. Bon, laissez-moi vous donner un conseil, car j'ai moi-même, dans ma jeunesse, monté une main des étalons fougueux. Ah oui, fougueux? Ah bah oui, je me rappelle ce minorquin à la robe noire comme l'ébène. Quelle vigueur! Tout est dans le rythme des hanches. C'est le secret d'une bonne et harassante chevauchée. Ah mon Dieu, maman, je crois que je vais le faire. On doit ne faire qu'un avec sa montée. Ludovic ? Ludovic ? Oui, je sais, c'est pas en trois briques pyramides. Mais sinon, là, enfin, vous me disiez que oui, je ne faisais pas mon âge, c'est ça ? Voilà, c'est pas votre âge. C'est vrai. Ça, c'est bien intéressant, ça. Pardon, j'arrête, je reviens. Oui, oui. Gardez mon verre. Oui, oui, j'attends là, je bouge pas. Ça va, tu t'éclates ? La riange ? Oh, ça va, juste un petit mensonge, rien du tout. Y a pas un mec qui m'a adressé la parole de la soirée ? Ah si, un, pour me demander si t'étais la Rousseau. Merci, la copine. Vous qui êtes avocate, et pas vraiment débordée côté Jules, vous pourriez en profiter pour plancher sur le divorce de ma fille. Non mais maman, ça va pas bien là, on se laisse juste un petit peu d'oxygène, c'est tout. Mais enfin ma chérie, faut voir les choses en face. Michel et toi, c'est comme les chaussettes de ton fils. Avec le temps, ça finit par sentir le moisi. Prends-les devant. Non mais on va pas brûler les étapes. Mais bon, si tu te décides, je peux t'obtenir l'appartement, une belle pension et la garde exclusive des enfants. Enfin, si tu veux garder les enfants avec toi. Non, merci Malika, mais ça va un petit peu vite, là. C'est comme tu veux. Quand tu dis une belle pension... Une belle pension. Champagne? Champagne. S'il vous plaît. Oui, on va remettre la même chose, s'il vous plaît. Alors Michel, oh, les gens t'attendent, là. Michel. Et les filles, allez boire un coup, là. Ils veulent connaître l'origine de la légende. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai mon petit talent, mais c'est exagéré quand même, la légende. Ouais, non, t'as raison, la légende, c'est moi. Ça te manque pas, la scène, le groupe, tout ça? C'est du passé, tout ça, tu sais. Aujourd'hui, j'ai ma femme, les enfants, même si ça va pas trop bien avec Babette, c'est un peu compliqué en ce moment. En plus, Adam n'a pas eu son bac. Tu vois, Michel, parfois, je me dis que j'en ai marre. Marre de ces soirées, du champagne qui coule à flot, des filles faciles. Tout à l'heure. Okay. Et là, je me dis que j'aurais dû trouver, comme toi, une gentille femme. Et puis j'ouvre les yeux, et je me dis que non. Hey, mais du coup, t'as pas d'enfant. Non, non. Mais toi, ma patate mariée, avec ton talent inné et mes contacts dans le métier, je vais faire de toi une star. Comme ça, le comeback. Et si, il est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, Michel. Live your dream, Michel. Live your dream, Michael. Live your dream, Michael. Ouais, et toi, ton père, tu l'appelles papa ou tonton? Et toi, ta mère, tu l'appelles comment? Tu l'appelles mams ou maman, quoi? Ouais. Oh non, là, je n'ai pas saisi. Désolé si j'étais un peu long, les gars, mais j'ai dû emmener la petite au 7e ciel. Oh là là, comment mon pote, il a pécho votre copine? C'est pas ma copine, c'est ma cousine. Et justement, c'est pour ça que t'es jaloux. On se reverra sur le ring. Et à toi, il faut qu'on te parle. Ouais, c'est ça, ouais, cassez-vous, bande de Belges. Félicitations, Ludovic, tu viens de faire ton entrée dans le monde des adultes. Mais qu'est-ce que tu fous, bon sang? T'es en train de pactiser avec l'ennemi, là. C'est à quoi de faire perdre le concours, ça? Écoute, moi, le seul concours qui m'intéresse, c'est celui de grimpage au rideau. Capiche? Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang? Quoi, c'est pas ce que tu voulais? Non, je t'ai demandé de le déconcentrer. Sans lui, les deux autres débiles sont foutus. De le déconcentrer, pas de le... De le croquer la frite. Le croquer la frite, dit. Bon, c'est pas grave. Ce qui est fait, est fait. Ne revenons pas dessus. Maintenant que tu as ferré le poisson, il faut le mettre à mort. Comme ça, à nous, les States d'Amérique. Allez, belge une fois. Belge toujours une fois. Je te tiens, sale garce. Il est éteint, ce cigare, Ludovic. J'aimerais pouvoir vous révéler les mystères insondables du sexe, mais bon, pour vous, c'est comme du mandarin oriental. Il va falloir que tu mettes un peu d'eau dans ton slip, mon gars. Je te rappelle qu'il y a deux minutes, t'étais toujours puceau. J'avoue, tu te prends pour qui? L'expérience, c'est pas une question de temps, c'est une question d'intensité. Pas étonnant que Juliette t'ait largué. Elle ne m'a pas largué, ok? Non, non, mais je préfère mettre les choses au clair tout de suite.
C'est juste ça capte mal en Espagne. Lino, donc, tu t'es fait piéger. Cette fille te manipule, j'en ai la preuve, tu dois la quitter. Alors écoute-moi bien, Chucky. Toi, ta voix de crécelle et ta ferraille dans la bouche, là, vous allez rester gentiment ici pendant que moi je vais aller rejoindre ma bomba wallona pour refaire une petite visite de la Belgique. Ok? Comment il t'a éclaté? Il m'avait jamais appelé Chucky. Toi aussi, tu penses que Juliette, elle m'a largué? Mais bien sûr, mon gars! Si j'étais pas ton pote, comment je me foutrais de ta gueule, quoi? Vas-y, je vais bouffer, moi. Un whisky, s'il vous plaît. Alors, mon grand, t'as l'air d'aller? Ouais. Je me suis fait larguer par ma meuf, mon meilleur pote se fout de ma gueule. On va perdre le concours et je vais finir ma vie derrière un comptoir. Te laisse pas pourrir la vie par les bonnes femmes. Il est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Et moi, je serai toujours là pour toi. Michel, je te cherchais. Je vais te faire découvrir le Bruxelles secret. J'ai une surprise pour toi. Allez, viens. J'arrive. J'y vais, fiston, d'accord? N'oublie pas, hein, demain, grand jour. Vous couchez pas trop tard. Yes. Chucky, c'est un petit peu comme un magasin de bonbons, mais pour adultes. Ouais. Et, s'il vous plaît, la même chose, c'est pour moi. Ah, s'il vous plaît, on peut arrêter la musique, je voudrais juste faire une petite annonce. C'est une soirée très très particulière ce soir ici, parce que nous avons une personne très particulière dans la salle et je vais lui demander de nous rejoindre. Michel, s'il te plaît. Michel, allez, viens, vous pouvez l'applaudir. Michel, viens, viens. Ça va vous rappeler des souvenirs, je crois. Showtime. 1, 2, 1, 2, 3. Je sais ce que vous ressentez, ma bête. Ouais, déjà, vous avez un peu envie de vomir. Et vous avez envie de vous venger. Et de virer ces saloperies de talons, là. Mais t'as raison, autant en profiter. Marie-Ange est dans la place. Qui veut jouer à Pyramide?
Merci. Oh, t'es une star, t'es une star. Non. Mais si, regarde, il t'adore. Si, c'est dingue. Babette? Non, moi c'est Serge. Mais tu peux m'appeler Babette si tu veux. Non, non, désolé Serge. En fait, je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Je... Voilà. Jacques, une fois de plus, tu nous as éblouis. Tu me présentes pas ton ami? Michel, c'est comme mon frère. Michel, je te présente Karine. Sylvie. Voilà, Sylvie, une très chère amie. Quel cachotier, ce Jackie, hein. Moi qui croyais connaître tous ses amis banquiers. C'est-à-dire que Jackie et moi, c'est une vieille histoire. À l'époque, c'est un peu moi qui l'ai lancé dans le métier. Ah, c'est pour ça que vous étiez à l'aise sur scène. Oh. Quelle physique. Oh, c'était trois fois rien. Puis ça faisait tellement plaisir à Jackie. Non, moi, en général, je préfère être à l'écart des projecteurs. Ah, vous préférez sans doute les ambiances plus intimes. Oui, voilà, c'est ça. Mais dites-moi très cher, j'ai pas très bien compris. C'est comment votre petit nom? Je m'appelle 1000 euros, mon chéri. Ah, 1000 euros, oui, quand même. C'est pas... Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Tiens, une petite photo souvenir. Ça va, mon Michel? Passe une bonne soirée. Oui, oui, oui. Écoute, écoute, Jackie, je vais rentrer, là. Non, parce que je suis crevé, moi, je vais aller à l'hôtel. Demain, c'est le concours, faut que je sois en forme pour coacher les garçons. Ouais, hein. Ouais, t'as raison, t'as raison. Une dernière petite coupe et je te ramène directement à l'hôtel. Et une bouteille de Dompé pour mon ami. Oh. T'es en Belgique, là, profite un peu, là. Allez, oh, oh. T'es une star, regarde. Pape, ça fait une heure qu'on tape à ta porte. Heureusement que la femme de ménage, elle nous a ouverte. On va être en retard à l'émission, là. Oui, l'émission, l'émission, oui, bien sûr. Essaie de crier un petit peu moins fort, s'il te plaît. Ça va, Michel, ou on dirait un torchon 12 clous en fin de service, quoi? Oui, non, c'est-à-dire qu'hier soir, bon, bah, j'ai bu un verre ou deux, puis hop, au lit. Bon, on y va, hein? On n'a pas de temps à perdre. On a un concours à gagner. Elle est où, ta sœur? J'en sais rien, sûrement déjà là-bas. Dépêche-toi. Oh, merde. Ah. Je suis très sûr d'avoir envie de petit déj du coup. Là. Moi, je me ferais bien une petite belge quand même. Hé, hey, du calme, Rocco, ok? On a dit que t'arrêtais les activités sexuelles pendant le concours. Je te fais confiance. Paps! Oh. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Kliman! Kliman! Stéphanie, j'ai jamais été aussi heureuse de te voir. Même pas un coup de fil. Rien. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Je manque à personne. Je me sens si seule. Pareil. Pas un coup de fil. Même pas aimer mes couches. Messieurs, préparez-vous à assister à un grand moment de télévision. Allez. Jacques, excusez-moi. Quoi? Les Français sont en retard. Générique. Ah, ça va commencer, ça y est. Mesdames, préparez-vous à traverser un océan de gêne. Encore raté. Allez-y les gars! Impossible n'est pas! Hello à tous! Voici donc les 4 équipes de choc qui vont s'affronter sur 3 épreuves pendant 2 jours pour savoir qui sera le meilleur américain, qui remportera les 3 green cards permettant de passer un an aux États-Unis. Let's see now! Avec la première épreuve, le Crazy Crazy Hot Dog. Qui ingurgitera le plus de hot dog en une minute? Vous avez 5 secondes pour choisir votre candidat. On se retrouve juste après le jingle. Yeah!
Miche. Très bien, Slimane, c'est toi qui vas la faire cette épreuve. Toi qui aimes toi les frites et les fricadelles, bonne chance. J'aime les frites. Bon, les garçons, moi j'en connais qu'un seul équipé d'un estomac en Kevlar, hein, une véritable poubelle de table, capable d'avaler ses crottes de nez, un kilo de frites par heure, une télécommande et une paire de chaussettes. Évidemment. Bien sûr. Vous, Michel. Non, Slim, c'est toi. Et c'est parti pour le Crazy Crazy Hot Dog. Attends, Slim, n'oublie pas. Tu es une poubelle de table. Les équipes sont sur les starting blocks pour l'épreuve numéro 1. Je vous rappelle que les concurrents auront une minute pour ingurgiter le plus de hot dogs possible. Toutes ces années à manger de la viande périmée chez Ouscourt. Tu vas leur montrer ce que t'as dans le ventre. Enfin, dans ton cimetière à kebab. Allez, vas-y. À vos estomacs. 5, 4, 3, 2, 1, go! Bibi! Ouais! Ouais! Du jamais vu, la France vient de se qualifier d'office pour la deuxième épreuve grâce à ce garçon au sourire étonnant. C'est mon fils! C'est mon gamme! C'est mon fils! Toute cette viande avariée et pourrie, c'est grâce à moi! Grâce à un restaurant de Ouscourt! Non, aujourd'hui c'est bon, mangez, mange! Oh, c'est bon, allez! Et toi, balaye là un peu là, hein! Fier fille! Ce garçon est stupéfiant. C'est donc l'Italie qui nous quitte. T'en veux plus ? Arrivederci los guignolos. C'est bien la peine de se payer Georges Clooney pour nous vendre du cappuccino. Bref, place maintenant à la deuxième épreuve de qui sera le meilleur américain avec le Crazy Buffalo. Êtes-vous prêt pour le rodéo infernal ? Vous avez quelques instants pour choisir votre candidat, le temps d'une page de pub. Génial. Bon, écoutez, maintenant, pour le rodéo, de toute évidence, le meilleur, c'est Ludo. Non, passe. C'est à moi de le faire. This is my day. Enfin, Ludo fait de l'équitation depuis qu'il est tout petit. Ouais, ton père a raison. En plus, j'ai monté tonnerre pendant 3 ans, un Shetland hyper agressif. Puis comme je chevauche depuis peu une wallonne explosive... Une traînée. Répète ce que tu viens de dire. Une prostituée. C'est pas ce que tu viens de dire. Bon, vous arrêtez là-haut. Tout de suite, stop. On peut pas prendre le risque de blesser Ludo avant le quiz. C'est à moi d'emmener mes frères en finale. Bon, si c'est ce que tu veux, fils. Paps. Je dois prouver à tout le monde que je suis pas un loser et emmener mes frères d'armes à la victoire. I see you in America, brothers. Allez, notre premier concurrent s'installe pour défendre à présent les couleurs de la Belgique. Qui restera le plus longtemps sur la selle du Crazy Buffalo? Allez, 3, 2, 1, c'est parti! Demandez à l'équipe allemande de rejoindre maintenant le Buffalo endiablé. En piste, en place, go! Six secondes pour le cow-boy allemand. Manifestement, les Allemands ont plus de talent pour mettre des chaussettes dans les sandales que pour faire du rodéo. Allez, on passe tout de suite à l'équipe des Français. Et tout de suite, c'est Adam qui représente la France et qui rejoint le Crazy Buffalo. C'est parti pour un dernier tour de piste pour une place en finale. Alors, le candidat français a l'air d'être prêt. Alors, attendez, parce que la boucle de la ceinture, elle est dans le taureau, là. Il nous fait signe qu'il est prêt. Non, c'est pas ce signe-là. Allez, mais c'est parti. Comme ça. C'est peut-être l'étiquette de son slip qui gêne. Allez, mon grand, fais honneur au coutrin de la famille. Pardon, lâche la bête. Lâche. Mon bébé. Bravo Michel, encore un échec. Attention, voici les résultats. Coup d'œil au chrono. Désolé les gars, je vous ai encore déçu. La France enregistre un score de 33 secondes. Record
record battu pour notre candidat en cycle. Quel drôle de peuple. Attends. Bravo. On est en finale. Au ciel pas, ma fille. De joie. C'est la joie. Pourquoi je suis pas là-bas avec eux, moi? Bon, écoute, ma fille, de toute évidence, tu peux pas vivre sans eux. Et moi, j'avoue qu'il me manquerait presque. Alors, arrête de chialer et va les rejoindre. Tu vas prendre cher, Slimane. Bon, il reste plus qu'à assurer pour demain. Non, c'est une moquette, on est des tueurs. C'est clair. Il est où, Ludo? 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 Tu viens ou quoi? Désolé les gars, mais... Il peut plus se passer de moi. Je la rends dingue. Bye. Le traître. Le bâtard. Batave. Batard, ça veut dire bâtard de batave. Un scotch, s'il vous plaît. Double. Non, triple. Pourquoi vous l'appelez pas? Pardon? Votre femme, pourquoi vous l'appelez pas? Est-ce que je vous demande pourquoi vous me postillonnez dessus quand vous me parlez? Contentez-vous de me servir mon verre, et puis ça ira pour vos commentaires. Non mais je rêve. Bon, toujours pas de traces de Ludo, si on le retrouve pas avant demain, adieu les Stéistes. T'as des nouvelles de Mams? Non. Du coup, il bougonne. Mais pas du tout, je sais pas, j'ai même pas allumé mon téléphone. Puis on est pas bien là, entre mecs. Monsieur Fontella? Oui. Adam Fontella? Oui, ça c'est moi. Bon bah cool! Apparemment, il y a Slim qui a retrouvé Ludo, il nous attend de chambre 203. Ah, bon bah je t'accompagne, fiston. Ok. Ah, faut pas que je me couche trop tard, demain c'est le grand jour. Merci. Yo. Bah, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas avec Ludo? Bah non, on m'a dit qu'il était avec toi en chambre 203. Quoi? Bon, ça marche pas, on prend l'autre. Ah, Ludo. Le collabo. Attends, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé être en chambre 203, toi? Apparemment non. Mais j'y vais là, à nos queumatons pour s'expliquer. Attends, mais comment t'es au courant, toi, d'abord? Qu'est-ce qui se passe? On est bloqué. Ouais, ça sent pas bon. Non, moi, j'y suis pour rien. Je peux pas rester là, moi. Un nœud queue m'attend. Bon, tu nous saoules, toi, avec ta nœud queue, là. C'est une traînée, ta nœud queue, mon gars. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, c'était une traînée, ta nœud queue. Oh, on est pas recommencé, hein. Allez. Et l'alarme ne marche pas. Ouais, et ça le capte pas non plus. Super. Vous savez que j'aurais dû aller aux toilettes, moi. Non, si. Il pense même pas. Ah, mais là, ça tape, hein. On aurait peut-être dû les prévenir. Bah non, sinon, c'est plus une surprise. Et s'ils veulent plus nous voir? Mais moi, je suis sûr que Slimane, il va me tomber dans les bras. Et là, direct, je fous une balayette et mon genou dans le train à ralenti, là. Eh bah bête, détends-toi un peu, desserre ton soutif. Billet, s'il vous plaît. Bonsoir, jeune homme. Vous voulez bien m'aider? Je crois que mon billet a glissé dans mon corsage. Bonjour, monsieur. Ici votre commandant de bord. Votre train est actuellement arrêté sur la voie. Pour votre sécurité, il est interdit d'ouvrir la porte. Super, génial. Ça nous laisse le temps de faire connaissance. C'est pas vrai, t'es devenu folle. Mais lâche le contrôleur, maman, enfin! Oh, je sais pas pourquoi je vous embarquais là-dedans. J'aurais dû écouter Babette. Moi, j'aurais peut-être pas dû larguer l'autre, là. Comment elle s'appelle déjà, mon ex-meuf? Steph. Ouais, voilà, Steph. Et sans elle, c'est moi le loser. Moi, j'ai même pas eu le choix. Juliette, elle m'a acheté comme un vieux slip sale. Et moi, ma mère avait raison, vous me tirez vers le bas. Je veux voir Anneke. Tu veux pas arrêter de nous saouler avec ta Anneke? T'as rien compris, mon pauvre Ludo. Elle se sert de toi, Anneke. Elle est en train de te monter la tête pour pas qu'on aille au States. Voilà. Tu dis ça parce que ta Juliette, là, elle t'a largué pour un mec plus viril. Et t'es jaloux parce que maintenant, je suis viril. Toi, t'es viril, toi? Mais regarde-toi, mon pauvre garçon. Oh, allez, ça suffit maintenant, y'en a marre, hein. Cette fois-ci, je laisserai pas tout foirer. C'est notre chance de montrer à tout le monde qu'on n'est pas des losers. On n'a pas fait tout ce chemin pour s'arrêter là. Oh, vous, là, les meilleurs potes du monde. Rappelez-vous tout ce que vous avez enduré pour atteindre vos rêves. Hein, toutes ces humiliations, enfin, toute cette complicité. Et ces humiliations, quand même. Des années de travail. Humiliation. Des coups tordus. Humiliation. Mais bon, c'est bon, on a compris là. Il faut que tu les enivres avec tes pas, tu vois, il faut les enivrer. Qui sort avec qui là? Son fils, mec. Dis-moi, fils.
C'est quoi ce costume là? Il est censé être un sandwich? Parce que je veux pas dire, mais on dirait vraiment une bite. Et avec Adam, on s'est dit que pour la fête des mères, on allait offrir un cadeau à la mère de l'autre. Bonne fête, Babette. Salut Jenna, ça va? Tu veux sortir avec moi? Je peux te prendre ce soir? Non. Il paraît que t'as embrassé cette petite traînée d'Alice, c'est vrai ou pas? Il a pas embrassé Alice, il a caressé un pénis. Nuance. Boum. Dépêche-toi, la slim, t'es déjà à 10 secondes. Ouais, mais c'est chaud de night, là. Attends, je pars au boulot, là, parce que je... L'autre jour, j'ai chez le dentiste, et je me suis bien dit qu'il avait une dent contre moi. Et si. C'est quoi, ce bordel? On sait rien, mec. Moi, je me souviens de tout. Oh le mec, il croit, il va se marier avec Jenna. Mais t'as vu ta gueule? Salut, Elodie. Salut. Ça te dirait que je t'épile? Ça va, les mecs? Ludo, c'est une blague, là. Tu fais quoi, là, grand débile? Mais c'est parce que tu l'as mal bourré, aussi, là, ton coton. Adam? Pape, ça n'a rien à voir. J'applique le préservatif. Tiens le droit. Mieux. T'es homophobe, mec. Mais non, putain, j'adore les homos. Moi-même, j'ai été plein de fois dans des soirées homo, c'était génial. Et bah voilà, je le savais. Rendez-vous de l'autre côté. Arrête. C'est comme le jour où Slim il avait carrément sorti. Attends, je suis pas sûr de vouloir tout entendre, moi. N'empêche qu'on était ultra bonnes, surtout toi, mon gars. Ouais, avec un bon petit cul bien paumé. Pardon, les mecs, je me cachais la vérité, mais c'est cette succube de l'enfer là, elle m'a garé avec ses petits seins en forme de poire. Calme-toi, hein, ça va. Ça... Bon, allez, les gars, on va y aller, hein. Vous allez le gagner, ce concours. Vous allez partir aux States. Et moi, je vais reconquérir Babette. Si Mam te voyait. Attention. Pourquoi on redémarre pas? On entend le moteur tourner pourtant. Non, c'est pas le moteur, c'est Stéphanie. Monsieur, suite à une rupture de caténaire, notre retard est estimé à moins de 8 heures. Quoi? Ah super, elle a bien réussi notre surprise. Bon, et si on rappelait le contrôleur? Je regrette pas d'avoir appelé le contrôleur. C'est pas vrai, ils répondent pas. Michel est sur boîte vocale. Oh putain. Bonjour. Tu croyais pouvoir me larguer comme ça? Lâchez-moi, sécurité! Qu'est-ce que c'est que cet accent chelou, non? Oh. Qu'est-ce que t'as fait de Slimane? Enfin, Stéphanie, c'est ridicule, c'est pas du tout Slimane. J'y crois pas. Jackie? Jackie, c'est toi? Je m'appelle Jacques, et l'entrée pour le public, c'est l'autre porte. Oh, Jackie, c'est moi, Elisabeth Fontella. Babette. C'est bien que je t'aurais pas reconnu, dis donc. Tu ressembles à Marlène Jobert. Tiens, je te présente mon ami Malika El-Bougli, enchantée. C'est un réel plaisir. Et ma mère, tu te souviens? Oui. Combien de temps qu'on s'est pas vu? 18 ans et 4 mois. Le jour où on devait partir en tournée avec Michel. Oui, avec votre groupe. Les chiens, les gênants, les dérangeants. Les intrigants. Oui, voilà. Bon, qu'est-ce qui te vient, mon Jackie? Jacques, je suis le producteur de l'émission, en fait, tu vois. Et j'ai beaucoup de travail, donc on se reverra. Ah oui. Ou pas. Ok, et tu sais où je peux trouver Michel? Sympa. Excusez-moi, vous savez où je peux trouver l'équipe française, s'il vous plaît? Non, ils ont du retard. D'ailleurs, s'ils sont pas là dans un quart d'heure, ils sont disqualifiés. Et vous savez où est leur hôtel? Tous les candidats sont logés au même, à l'intrigant. Je vais les chercher à leur hôtel, vous attendez ici au cas où ils reviennent. Je viens avec vous. Comment je me suis laissée arnaquer par ce faux Slimane avec un accent rigolo? Moi, je m'occupe de Jackie. Bon, si vous me cherchez, je suis au bar. Vous venez avec moi au bar, jeune homme. Bonjour, excusez-moi, je cherche la chambre des Fontellas. Et de Slimane aussi. C'est confidentiel, madame. C'est assez urgent. Oui, mais comme je viens de vous le dire, je me dois de vérifier l'information. L'information de dépêche-toi si tu veux pas que je te foute mon talon dans la gueule. Pardon, vous êtes... Non. Vous n'êtes pas la femme de Michel Fontella? Si. Rousse, flamboyante, il n'avait pas menti. Chambre 254, il faut prendre l'ascenseur de gauche parce que celui de droite est en panne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et ben alors? Ok, va vraiment falloir me dire où sont les toilettes dans cet ascenseur. Là, je commence à avoir les hot dogs qui dansent la macarena dans mon bip. C'est chaud de night. Je sais pas, ils ont dû rajouter un truc, je digère pas du tout. Michel! Michel! Oh, Michel, c'est pas vrai ça.
Ça se trouve, ils nous ont déjà remplacés. C'était bien la peine de remettre ma bague. La bague? Mais oui! Quoi, la bague? Eh ben, le jour où Slimane a roulé une pelle à Jézabel, cette espèce de grosse truie hippie là, avec des dreadlocks sous les aisselles... Mais on peut aller à l'essentiel? J'ai pucé Slimane. Hein? Ben, j'ai pris la puce de princesse, le chihuahua de ma mère, et je l'ai collée dans l'oreille de Slimane pendant qu'il dormait. Il est dans l'hôtel! Tu es fascinante. Étrangement fascinante. C'est quoi ce cadre? La resserre, resserre. On tape dans 8 minutes et les Français sont toujours pas arrivés. On fait quoi? On retarde? Non, non, on change rien, ils vont arriver. Ça doit être stressant, tous ces écrans. Non, mais vous pouvez pas rester là, vous. Oh, mais je me ferai toute petite. Non, non, vous pouvez pas rester ici. Toute petite, petite. Sécurité, sécurité. Vous êtes en colère, ça vous va bien? Allez, 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 s'il vous plaît. Vous êtes à fleur de peau, Jackie. Moi aussi. Vous êtes bien sur le joignable de Ludovic Drancourt. Je ne peux pas vous répondre car je dois être occupé à approfondir mes connaissances en physique quantique ou peaufiner mon apprentissage de la paléontologie ou de travailler la glaise ou répéter mes leçons de menuet ou... Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse dans le menu. Non, 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 Slim, non. Ici, c'est là que je dors, c'est mon lit, là. Tu fais ici, plutôt, au niveau toilette. Oui, bah, décidez-vous, parce que là, je tiens pas, là, c'est... Attendez, chut, écoutez. Steph! Michel! Adam! Babette! Mam, je n'ai pas! Ouais! Vous pouvez pas faire attention un peu, non? Tenez, vous avez fait tomber ça. C'est gentil. Merci. Slimane! Attends, mais c'est quoi cette cagole là? Mais c'est moi, c'est Stéphanie. Ah, mais c'est quoi cet accoutrement là? Mais en fait, c'est parce que c'est Babette. Oui, Babette, évidemment. Vulgarité. Oh, mon bébé! Mon bébé! Et ta sœur, elle est où? Bah, elle doit être déjà au studio, sûrement. Bon, allez les gars, là, on n'a pas une minute à perdre, là, on a un concours à gagner. Moi, faut que je passe aux toilettes, par contre. Hein. Oh non, pas le temps, il nous reste 5 minutes. Ici, pas, je te jure. Sinon, ça peut vite tourner au désastre. Fais-moi confiance. Cool. Antenne dans 2 minutes! On sait pas où ils sont. Comment ils sont pas là? Bah, ils sont probablement eu peur. Ils sont toujours pas là? Non, bah, tant pis, hein. L'équipe belge va gagner par forfait. Hein. Allez, générique. Ah! Ça va, cool? Everybody, place à la finale de qui sera le meilleur américain, qui des Belges ou des Français vivra le rêve américain. Let's see! C'est que belle! Et ton appareil? Cette finale se déroulera autour d'une seule et dernière épreuve, le quiz USA. Regarde. Le premier qui a la bonne réponse buzz, c'est easy. 10 bonnes réponses pour un vainqueur. Are you ready? Allez, c'est parti! Première question. Comment appelle-t-on le ministère des Affaires étrangères américain? Le département d'État. C'est une bonne réponse, effectivement. One point for the French. Next question. Comment s'appelle le seul président des États-Unis à avoir démissionné? Ludovic, s'il vous plaît. Richard Nixon. Bonne réponse. 2 points pour les Français. Nouvelle question. Quel est le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance? Ludovic, je vous en supplie. Thomas G. Ludovic, votre réponse? Thomas G.
Comment quoi? J'ai quoi? La dalle, la tourista, j'ai quoi? Thomas Jay-Z. Les Belges. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, bonne réponse, c'est les Belges qui marquent le point. Écoutez bien, nouvelle question. Comment s'appelait le premier président des États-Unis? George Washington. Bonne réponse des Belges. Quels sont les deux derniers États à avoir été admis dans l'Union en 1959? L'Alaska et Hawaï. Bonne réponse des Belges. Quelle est la capitale du Texas? Les Français prennent la main, vous nous dites? Austin. Austin, bonne réponse pour l'équipe française. Quel personnage emblématique était représenté sur les affiches de recrutement de l'armée pendant la Première Guerre mondiale, sur lesquelles on pouvait lire « I want you for US Oncle Army ». Oncle Sam, très bonne réponse. Quel artiste américain doit-on l'œuvre d'un Les raisins, sa colère, roman qui parle d'une famille de dans la grande dépression. Les réponses. Les 8-4 pour les Belges. Plus qu'à 2 points des USA. Ok, c'est pas nous laisser tomber. Je suis un Américain dans ma tête, j'ai toujours été. Je suis né Américain, je mourrai Américain. I'm an American. I'm Adam Fontelouse. Who am I? Écoutez bien cette question. Qui a chanté lors de l'intronisation du président Obama à Washington DC? Beyoncé? Bonne réponse des Français. La Beyoncé! Voilà la Beyoncé! Quel acteur afro-américain a joué Axel Foley dans Le Flic de Beverly Hills? Eddie Murphy. Eddie Murphy, c'est une bonne réponse des Français. À quelle ville américaine associe-t-on l'équipe de basket de Celtics? Quelle ville se sont déroulées les Jeux Olympiques d'été en 1924? Bonne réponse. On fait un point sur les scores. Totale égalité, 9-9. Attention, l'équipe qui répondra bien à cette dernière question partira aux États-Unis d'Amérique. Are you ready? C'est parti. Quelle est cette fameuse sauce tomate qui a accompagné le premier burger? Les Français prennent la main. Vous me dites? La sauce blanche. Oh le con! Mais non! Mais non, pas sauce blanche! T'as blouté ma sauce blanche, c'est bon, là, là, là! C'est une mauvaise réponse. Les Belges prennent la main, vous me dites? Je dirais le ketchup. Exact. C'est une bonne réponse, oui, les Belges! Mesdames et messieurs, les Belges remportent. Qui sera le meilleur Américain et mieux que votre poids en kilo trip? Vous gagnez un voyage d'un an aux États-Unis. Ouais, on va gagner la Belgique. Bravo à l'équipe belge, je suis Jacques Bonnet, le producteur de cette émission, et je vous remets officiellement ces billets d'avion pour les États-Unis ainsi que vos green cards. Je crois qu'on peut les applaudir. Bravo. C'est nous les Belges, on a gagné. Rendez-vous maintenant aux USA. Rendez-vous, on a gagné, on va aux USA. Allô, 1, 2. Vous m'entendez? Voilà, j'ai une réclamation à faire. Michel, que c'est pas le moment de faire des réclamations. Justement, c'est le principe des réclamations. Je voudrais, devant tout le monde, révéler un cas de tricherie. En effet, la production de l'émission a tenté depuis 2 jours de systématiquement faire perdre les équipes adverses des Belges en empoisonnant les hot-dogs et dernièrement en nous enfermant dans l'ascenseur. C'est vrai ! Non mais pourquoi est-ce qu'on aurait fait ça ? Pourquoi ? Pour faire gagner ton fils, Jackie, Adamo. Et en voici la preuve. Tiens, regarde ça. Ah oui, très très jolie preuve. Oui, filmez ça, très très bien. Ouais, filmez. Oui, oui. Non, pas ça. Bravo, Michel, bravo. Non, voici la preuve, Jackie. Regarde ça. Non, mais... Quoi ? Non, je le connais à peine. Oui, on a triché. Pute. Je suis la nièce de Jacques et la cousine d'Adamo. Un noqueux. Pardon, Ludo. Traîné. Et c'est pas tout. Voilà, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui est présent ici ce soir. Quelqu'un qui illumine mon quotidien de 1000 soleils roux, qui fait briller toutes mes journées en les remplissant d'amour et qui a donné un sens enflammé à ma vie. Babette, je voudrais te demander pardon. Non, c'est vrai que j'avais un rêve, mais il n'était pas aussi fort que le rêve que tu me proposais, ton amour. Voilà, tu as fait de moi un homme, un père, et l'être le plus heureux du monde, voilà. Babette Fontella, je t'aime. Moi aussi, mon amour! Ça va, bravo, papa!
Je déclare donc grand gagnant de notre jeu qui sera le meilleur américain, l'équipe des Français. Qu'il est tout appris. Si aujourd'hui ils vont hamburger style, c'est grâce à moi. Mais bon, tu me suis pas un peu fait niquer, moi, quand même. Si, si, beaucoup. On était comme des frères, Michel. On aurait pu devenir des stars et au lieu de ça... Au lieu de ça, j'ai une femme qui m'aime. Deux enfants merveilleux. Ce que vous avez fait, c'est répugnant. Répugnant. Déjà, je suis tellement fière de toi, tu sais. Tellement. T'inquiète pas, même si tu restes toujours Chucky. Bon, allez, dépêche-toi de partir. Sinon, je vais me mettre à chialer, et puis après, j'ai l'air toute fripée. Amuse-toi bien, y'a que ça qui compte. Faites du slime. Faites du slime, mamie. Yo! La minouche, ça y est, tu t'envoles. Je me souviens encore quand je te changeais de tes couches. La semaine dernière. Mais il va falloir que tu te trouves un autre homme maintenant, maman. Ça va, tu... Alors surtout, t'oublies pas, hein, tu manges pas trop de sucre, parce qu'après ça te donne des caries et une haleine de singe. D'avoir menti en participant à ce jeu télé-tanche fesses. Je vous achèterai tous les yogourts que vous méritez tant. Mais ne partez pas, petit prince. Maman, je vais te tutoyer. Cesse de t'inquiéter pour moi. Hein. Je vais partir vivre de nouvelles aventures, mais tu vas bientôt me revoir, je te le promets. Ludovic ? Je suis tellement fier de toi, mon grand. T'es allé jusqu'au bout, et maintenant tu vas vivre ton rêve. Tout ça, c'est grâce à toi, Paps. Merci. Merci pour tout. T'es le meilleur papa du monde. T'es même mieux qu'un papa. T'es mon Paps. Live your dream. Tu vas me manquer, grand bureau. Ouais, toi aussi, Chucky. Prends soin de toi. Et t'approche pas de ma chambre. Je l'ai piégé de toutes parts. Bye, Slim. Dégage. Salut Ludo. Alors tu t'en vas? Désolé les gars, je reste. What? À cause de ta mère? Non, je suis amoureux. Ah d'accord, donc le mec nous lâche à chaque fois qu'il va se faire dépuceler quoi. Votre attention s'il vous plaît, dernier appel pour tous les passagers à destination de New York. Merci de vous. Ok, donc c'est là que tout s'arrête Ludo. C'est la fin de notre rêve américain, c'est ici que c'est fini quoi. Mais non, ça s'arrêtera jamais. On a échangé notre sang. On a même échangé nos slips. C'est une évidence que j'aurais pas dû nier depuis le départ. Oh! Oh! Petit cachotier. Ah. Sacré Ludo. Bah. Mon bébé. Ok, donc Ludo se tape ta sœur, mon gars, c'est chaud de night. Enfin, Ludovic, elle a 7 ans, ma sœur. Elle a 7 ans, sa sœur, mon gars. Attention. Donc Ludo se tape ta sœur et y a que moi que ça choque, là. N'importe quoi, ils se tapent pas ma sœur, ils sont juste très amis. Pardon, ils se sont pécho, mon gars, c'est chaud de night. Ouais, Juliette. Ouais, c'est Adam. C'était pour te dire, c'est moi qui te largue, en fait. Ouais, je sais, on était déjà plus ensemble, mais c'est pas le problème, là, cette fois-ci, c'est moi qui te dis, c'est fini, it's over, this is the end, pouh! Comme ça, tu pourras manger du corazon tranquille, salut! Du coup, toi, tu vas faire quoi avec Steph? Qui ça? Stéphanie, ta meuf. Aïe, ah, je lui ai donné rendez-vous à la gare. Tu crois que j'ai bien fait ou pas? Je sais pas, ça dépend, tu préfères passer le restant de tes jours avec la Statue de la Liberté ou avec Stéphanie? Qui? Bim! Wouh! Stay! Stay! Stay!
Bella, vous pouvez enlever votre fauteuil que je puisse allonger mes jambes. Putain, mon gars, ça y est, on y est, les States, quoi. Ah, putain, les States. J'en ai rêvé toute ma vie, New York City, ça y est, j'y suis, quoi. C'est chaud de night, mon gars. On allait offrir un cadeau à la mère de l'autre. Bonne fête, Babette. Salut, Jenna, ça va? Tu veux sortir avec moi? Je peux te prendre ce soir? Non. Paris, t'as embrassé cette petite traînée d'Alice, c'est vrai ou pas? Il a pas embrassé Alice, il a caressé un pénis. Nuance. Bon. Dépêche-toi, la slim, t'es déjà à 10 secondes. Mais c'est chaud de night, là. Attends, je pars au boulot, là, parce que je... L'autre jour, j'ai essayé le dentiste et je me suis bien dit qu'il avait une dent contre moi. Mais si. C'est quoi ce bordel? C'est rien. Moi, je me souviens de tout. Oh, le mec, il croit qu'il va se marier avec Jenna. Mais t'as vu ta gueule. Salut, Elodie. Salut. Ça te dirait que je t'épile. Ça va, les mecs? Ludo, c'est une blague. Tu fais quoi, là, grand débile? Mais c'est parce que tu l'as mal bourré aussi, là, ton coton. Adam? Tape ce scénar. J'applique le préservatif. Tiens le droit. Un mieux. Homophobe. Mais non, putain, j'adore les homos. Moi-même, j'ai été plein de fois dans des soirées homos, c'était génial. Et ben voilà, je le savais.